Devant le trio de Skrudlund, Todd Ewen. Voilà, Todd Ewen et Kordic. Ben, ça, on s'y attendait un peu. Première sortie de Kordic dans le match. Ça a commencé très rude. Et là, là, un combat pour âme, ça. Todd Ewen a porté les premiers coups, mais là, Kordic s'est raplombé. Et là, ça devient une épreuve. Ça, on s'y attendait, il n'y avait pas de... Ça veut reprendre de plus belle. Ouais. Oh! Ça, c'est exténuant, oui, on cherche... En voilà au moins deux qui ne sont pas dans l'esprit des fêtes. Todd Ewen et John Kordic. Si je ne m'abuse, Kordic, c'est le premier match qu'il joue contre son ancien club. Oui. Alors voilà de quelle façon tout a commencé, Kordic et Ewen. Alors les premiers gars tombés, ça a tombé pas mal en même temps. Les premiers coups de poing sont portés par Ewen au casque protecteur de Kordic et par la suite Kordic. Furieux, lui. Burns est furieux, lui. Il est dans tous ses états puisque... On vient d'imposer un 2 minutes additionnelles à Todd Ewen. On dit que c'est Ewen qui a été l'instigateur. Burns n'est pas d'accord, comme vous pouvez le constater. Ouais, et je pense qu'il a... On n'a pas besoin d'entendre ce qu'il dit. Ça se devine. Et, entre vous et moi, il n'y avait quand même pas d'instigateur là-dedans. Les deux gars, c'était... Sakic pénètre en zone des Canadiens. À Nolan, il a voulu redonner le disque à Sakic, mais là, c'est le beau jeu de Schneider qui l'en a empêché. Sundin... Il lance et ensuite le but! Nolan! Ben, Gilles venait tout juste d'improviser un nouveau trio en jetant dans la mêlée sa kick. Finalement, Corson reprend. À Degno, attendu par Adam Foote. Well, Kirk Muller vient lui donner un coup de main, il le remet à sa barre. Et le but! Kirk Muller! Comment il a fait pour faire dévier la rondelle? Avec une pirouette de la sorte. Savard l'a attendu. Le jeu a été fait par Savard. Et la façon qu'il a bien esquissé le jeu, on va voir. Il prend bien son temps, attire les deux joueurs des Nordiques vers lui. Et ensuite, la passe devant. Et là, c'est Muller qui vous laisse dégager de l'emprise de Stephen Finn. 4 minutes 35 à la deuxième. Et le Canadien qui reprend les devants pour la deuxième fois dans le match. Et là, un autre but, celui de Carbonneau. Là-dessus, Cloutier était... Il était déjà agenouillé très vite sur le jeu. Je pense qu'il cherchait la rondelle. Et qui avait permis à Carbonneau de saisir cette rondelle, la balayer. Et là, Pagé, on le voit, là, furieux. Le premier rendu, c'est Leclerc. Mais il est passé dans le vide. Claude Lapointe lui par la rampe. C'est pour Smith, mais Lefebvre intervient. Bel arrêt. Et le but! Leclerc ou... Je pense bien. Oui, les Nordiques essayaient de compléter leur changement et c'est à ce moment-là que le Canadien est entré rapidement dans la zone des Nordiques. Avec 2 secondes, il est trop tard. Tir bloqué et c'est une 4e victoire du Canadien contre les Nordiques cette année. 4 victoires contre une seule défaite et ça commence bien le voyage de 4 matchs sur la route. Ouais, c'est une belle façon de commencer un voyage et le Canadien qui n'avait pas gagné ses 2 derniers matchs à l'étranger, bien, l'emporte ce soir. Les Nordiques, bien, se voient avec une 3e défaite d'affilée devant leurs supporters.